m'a annoncé de manière très, très simple et très claire, ben voilà, madame, je vois qu'à votre prise de sang, en fait, vous avez la myasthénie. Il n'y a pas de doute, hein, les résultats sont vraiment sans équivoque. Donc on m'a demandé, vous savez ce que c'est? J'ai dit, ben non. On m'a donc expliqué de manière assez succincte et ce que c'était, enfin voilà, d'où le problème, voilà, les anticorps, tout ça, que c'était une maladie auto-immune. Enfin, on m'a vraiment fait une explication très globale. Je suis rentrée chez moi, et là, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de comprendre un peu la maladie, ce qu'elle est vraiment. Enfin, et là, je me suis tournée assez rapidement vers des forums, vers une association, Les Amis. Association pour les myasthéniques isolées et solidaires. Et là, en fait, j'ai pu comprendre plein de choses. Et donc, j'ai pu avoir des témoignages. J'ai demandé un peu des éléments de réponse. Et avec cette association, j'ai en quelques mois, en fait, compris. Et je me suis rendu compte de ce que j'avais. Bah, dans cette période-là, en fait, si vous voulez, bon, le plus difficile, c'est de trouver de l'information. Alors, bon, on savait tous très bien que sur Internet, c'est compliqué, puisqu'il y a à boire et à manger. Donc, j'ai eu la chance, je dis ça comme ça, j'ai eu la chance de tomber sur une association qui s'appelle l'Association des myasthéniques isolées solidaires, qui avait été créée en 2007 par une personne qui s'appelle Roland, qui était basée sur Lyon, et donc qui proposait un forum d'échange et de discussion entre malades. Je m'y suis inscrit, hein, tout simplement. Ce qui a été le point le plus fort, c'est que ça a permis effectivement d'échanger, donc de pouvoir partager mes ressentis, mes expériences avec d'autres malades. C'était ça le plus important. Il y a des gens qui vivaient ce que j'avais vécu, qui étaient capables de me dire « moi, ça m'est arrivé, mais ne t'inquiète pas, ça va passer. » Ou « ça, voilà quelle solution tu peux mettre en œuvre. » Ce sont des choses qui sont toujours un peu, quand vous êtes, comment ça s'appelle, devant cette maladie inconnue, c'est compliqué, sachant que c'est une maladie invisible. Donc, personne ne la connaît, personne ne la comprend. Voilà, et donc au travers de l'association, donc je m'y suis investi, puis bon, au travers de ma psychothérapie, il fallait absolument que je refasse quelque chose, donc ça a été ma porte de sortie, c'est je me suis investi dans le monde associatif d'une manière de plus en plus forte, jusqu'à occuper une place importante au niveau de cette association. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'en suis le président depuis maintenant 6 ans. Donc l'association Les Amis, c'est une association, en fait, je les ai rencontrés... Donc, AMI, c'est Association des myasthéniques isolées et solidaires. La myasthénie est une maladie rare et par conséquent, en général, quand on tombe malade, on ne connaît personne de myasthénique. Et donc, l'association, elle a comme vocation de permettre de sortir de cet isolement et de relier les personnes, de partager de l'information, de faire du partage d'expériences, d'être dans le soutien. Et moi, j'ai connu, quand j'étais à l'hôpital, je disais la nuit, je ne dormais pas et avec mon iPhone, je faisais des recherches sur la myasthénie. Je suis tombée assez vite, l'association était remontée assez vite parmi les premiers. Je me suis inscrite sur le forum. Et en fait, ça fait un bien fou de trouver des informations qui sont fiables, qui sont triées, d'avoir des interlocuteurs, parce que le forum, c'est ça, c'est avoir des interlocuteurs qui répondent aux questions qu'on se pose, pouvoir consulter les questions que d'autres malades se posent et qui ont déjà eu des réponses. Et donc, j'étais comme ça très friande de capter des informations. Mais en fait, j'ai découvert le groupe Facebook qui a été créé par l'association, du coup, Les Amis. Et sincèrement, je sais plus comment je suis tombée dessus. Je crois que j'ai dû marquer myasthénie, un truc comme ça. Totalement hasard. Parce que du coup, c'est vrai qu'au début, même si j'avais une famille qui était très compréhensive, c'est vrai que c'est pas la même chose de discuter avec d'autres patients. Et du coup, je ressentais ce besoin-là. Donc du coup, je l'ai trouvé par Facebook. Et c'est vrai que tout le monde pose ces questions comme ça, un peu au tac au tac, qui viennent à l'esprit. Et c'est vrai que c'est des questions très pratiques, en général. Et on se retrouve beaucoup dans ce que les gens disent. Donc, je trouve très bien ce groupe Facebook pour échanger et pour avoir des conseils ou comment aborder certains sujets. Ou... Après, ça ne dispense pas d'appeler son médecin, mais c'est vrai que des fois, quand les médecins ne répondent pas, ça peut être
une petite aide pour un peu orienter ces questions, peut-être. Le CHU de Grenoble, le programme d'éducation thérapeutique de la myasthénie à Grenoble, a eu la chance d'être supporté par l'association Patients, les Amis de la myasthénie, dès le début, puisque c'est cette association qui nous a permis de créer le programme et qui est aussi notre évaluateur principal. Les associations Patients ont un rôle qui est majeur, parce qu'elles permettent d'être en contact avec des personnes qui ont la même maladie, et on apprend par les autres aussi, par leur expérience, ou parce qu'ils sont différents tout simplement. Ça permet d'avoir un soutien qui est très important, toujours dans une information qui est juste et sur des sites qui sont de bonne qualité. Alors notre association, bon, on a mis en place en fait deux choses. On a d'abord, alors comme je disais tout à l'heure, le plus difficile, c'est tout d'abord de trouver de l'information. Donc ça, c'était le premier point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que je faisais, ce que j'aurais fait pour moi déjà. C'était mon propre travail personnel. Ce que j'ai fait pour moi, c'était tout simplement de mettre en place une recherche documentaire. Donc, quand on fait sa thèse, on a passé une biblio. Voilà, donc j'ai cherché de l'information que j'ai recoupée, que j'ai mis en place. Et donc, on a créé donc un premier vivier d'informations qui était disponible. Voilà. L'association avait en place déjà un forum de discussion. Donc, l'intérêt du forum de discussion, c'est qu'effectivement, on est entre malades, réservé et accessible uniquement qu'aux personnes malades ou à leurs proches, de façon à éviter tout problème de voyeur, etc. Donc ça permettait effectivement, là aussi, d'échanger. J'avais des interrogations, j'ai posé mes questions, on y a répondu. D'autres personnes qui arrivent maintenant dans la balade nous posent des questions, j'y réponds quand j'en ai la capacité, ou d'autres personnes de l'association font la même chose. Le problème de la myasthénie, c'est que quand on vous annonce ça, vous êtes tout seul. Vous avez votre neurologue qui est en face de vous, bon, qui est humainement tout à fait charmant et compétent, puis qui commence par vous dire « Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez une maladie auto-immune qui s'appelle la myasthénie, qui consiste. » Et là, pof, c'est blanc. Parce que vous êtes resté à maladie auto-immune, vous n'avez pas trop compris de quoi on vous parle. On vous a dit un mot « myasthénie », vous n'avez pas trop bien compris, et après, t'entends expliquer plein de choses, et vous avez zappé. Et puis le problème, c'est que le médecin, malheureusement, il est contingenté par le temps, donc à un moment donné, la consultation se termine. Vous ressortez avec vos interrogations. Donc le plus difficile après, c'était effectivement de se dire vers quoi je vais aller, vers quoi je vais me tourner, où vais-je trouver de l'information de qualité. Alors il existe effectivement tout un tas de sites d'information de qualité, mais néanmoins, il faut en avoir la compréhension. D'ailleurs, tout le monde n'est pas médecin. Hein. Voilà, donc il faut à un moment donné se forger une culture. Et donc ce qu'on a essayé de faire au travers de l'association, c'était d'apporter des réponses claires, sincères, vérifiées et en langage de tous les jours. C'est-à-dire que quand on vous parlait, quand on vous dit, par exemple, parce que vous avez des paresthésies, ben non, on l'a traduit parce que vous avez des douleurs. Voilà, parce que douleur, tout le monde sait ce que c'est. Paresthésie, c'est pas un mot très facile. Alors si vous jouez au Scrabble, c'est assez génial d'avoir des mots comme ça, mais sorti de là, c'est pas forcément les mots que l'on va employer tous les jours. Voilà. Quand on vous parle, j'ai parlé tout à l'heure de diplopie ou de ptosis. Donc si je vous dis j'ai la paupière qui tombe, ça vous comprenez. Si je vous dis j'ai un ptosis, si je vous dis je vois double ou je vois flou, c'est quand même plus simple à comprendre que j'ai une diplopie. Donc voilà, on a essayé vraiment, ça c'était le boulot sur lequel on s'est tous attelés à l'époque, c'était vraiment d'essayer de, j'ai pas la prétention de dire de vulgariser parce que on n'a pas ce niveau d'expertise là, mais en tout cas de rendre compréhensible avec des mots de tous les jours, l'information générale disponible. Voilà. L'hôpital n'est pas le seul endroit où on peut trouver de l'information. Les associations patients sont des ressources extraordinaires. Grâce à elles, nous avons pu avoir des cartes imprimées avec la liste des médicaments interdits. Il y a un support également. L'association AFM aide également les consultations. Et puis les réseaux Internet se développent et sont aussi des ressources précieuses. Il y a une offre excellente qui est proposée. Vous avez le site Maladies Rares Info qui donne beaucoup d'informations sur les maladies, qui a l'avantage d'être un site aussi à visée européenne, donc on voit aussi ce qui est fait dans les autres pays européens. Sur le site Les Amis de la myasthénie, il y a une foire aux questions qui est enrichie au fur et à mesure, qui est revue par des experts pour que l'information soit juste et adaptée aussi aux avancées de la recherche. Sur le site, il y a également des outils pour le diagnostic de la maladie. Il y aura prochainement aussi des outils qui vont être déposés pour arriver à s'auto-évaluer soi-même vis-à-vis de la maladie.
Pour entrer en contact avec l'association, c'est facile. Il y a deux sites internet donc qui vont être faciles à mémoriser. https://www.miasthenie.net. Donc ça, c'est pour le site d'information. Donc là, vous avez toute l'information qui est décrite en quatre items. Maladie, traitement, médicaments avec interdit, évite tous les jours et les aides. Donc là, vous avez toutes les réponses que vous voulez. Et si vous voulez plus loin, si vous souhaitez échanger, nous avons un forum de discussion. Donc il s'appelle www.miasthenie.com, cette fois-ci, comme communication, qui a comme particularité là d'être accessible donc uniquement sur inscription. Donc c'est facile à faire, il suffit simplement de dire bonjour, je souhaite m'inscrire. On vous envoie un petit questionnaire vous disant simplement donnez-moi votre nom, votre adresse, et puis quel est votre rapport avec la maladie, simplement. Donc voilà. De façon à ce que les gens qui viennent s'inscrire soient bien des gens qui sont soit malades, soit proches de malades, de façon à simplement éviter, éliminer un peu tous les voyeurs, tous les gens qui vous proposent le produit miracle, le guéritout ou autre formule magique. Voilà. Et là, vous n'avez plus que des malades ou des personnes concernées par la maladie. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, c'est strictement confidentiel. C'est-à-dire que ce n'est lisible que par les gens qui sont inscrits sur le forum, et il n'y a rien qui est lisible de l'extérieur. Là, vous pouvez poser vos questions et en général, l'équipe répond. Donc, quand je dis l'équipe, c'est il y a plus de 2000 personnes inscrites sur notre site, 2700, je crois, de mémoire, début septembre. Et voilà, donc les gens répondent en fonction de leurs expériences. Donc, ça peut être des questions tout à fait triviales, du style j'ai un problème de digestion avec le mestinon, comment est-ce que vous avez réglé votre problème ? Hein, c'est tout à fait trivial. Jusqu'à des trucs un peu pointus, du style « j'ai besoin d'un coup de main pour faire la démarche, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, maison départementale des handicapés, ou est-ce qu'éventuellement, voilà, on m'a prescrit un régime hyposodé, est-ce que vous avez des recettes de cuisine ?» Voilà, c'est aussi basique que ça. Vraiment, tous les domaines sont ouverts. L'idée étant, là aussi, simplement d'avoir un échange, un espace d'échange. Le point commun de tout le monde, c'est la maladie, mais la réalité du forum, c'est la vie. On ne traite pas que la maladie, Dieu merci. Voilà comment on peut nous contacter. Puis sinon, pour terminer, une adresse association.ami@miasthenie.com. Différentes personnes peuvent aider à prendre en charge la maladie myasthénie et à aider. Il y a le neurologue qui va aider à adapter les traitements et qui pourra aussi présenter des gens de son équipe, comme l'infirmière de coordination, qui est une infirmière qui est formée à prendre en charge les questions, qui a une habitude, qui participe chez nous au programme d'éducation thérapeutique et qui peut aussi être un très très bon interlocuteur. Le pneumologue est une ressource importante quand on a des signes d'apnée du sommeil ou quand il y a de l'asthme. Et il y a bien entendu toutes les équipes qui vont intervenir ponctuellement, comme le chirurgien thoracique, s'il y a une chirurgie à faire pour le thymus. Il y a toutes les équipes paramédicales, le kiné, qui peut, par des massages, enlever la douleur, mais aussi être un acteur, comme le médecin du sport, pour reprendre l'activité physique en toute confiance. L'ergothérapeute va aider aussi ponctuellement en fonction des besoins, pour développer des outils sécurisés à la maison ou autre. La psychologue est aussi une ressource très intéressante, parce qu'il est difficile d'avoir une maladie chronique, et que toute maladie chronique a toujours un impact très important. Ici, dans la région, nous avons la chance d'avoir un système qui s'appelle APIC, qui est un réseau et qui permet à toute personne porteuse d'une maladie chronique neurologique d'accéder à 5 consultations au plus proche de son domicile, prise en charge complètement pour d'une psychologue, mais aussi pour chacun des membres de la famille qui le souhaite. Que ce soit le neurologue, les psychologues et les différents intervenants, il est agréable de pouvoir accéder à des consultations d'hypnose ou de méditation, puisque le stress, la gestion des émotions sont difficiles et le stress est un facteur potentiellement aggravant des signes de la maladie. Et on sait que l'hypnose et toutes les techniques qu'on appelle de gestion de la conscience sont des techniques sans aucun effet secondaire et qui permettent de mieux gérer les signes. La maladie myasthénie est une maladie particulière qui est bien connue des neurologues, qui est peut-être un peu moins connue des médecins généralistes, mais on voit une vraie envie des médecins traitants, de nos patients, de s'informer
Et donc, nous avons proposé également aux médecins traitants de venir dans le programme d'éducation thérapeutique. Sinon, nous faisons en sorte de leur donner toutes les informations et entre autres la fameuse liste des médicaments interdits. Le médecin traitant reste le médecin dit de confiance absolue. C'est le médecin qui connaît le mieux la personne, qui connaît aussi souvent l'ensemble de la famille. Et ce médecin a un rôle pivot pour la gestion de la maladie, à la fois pour assurer le suivi, mais aussi l'adaptation des traitements, le suivi des interactions. Et c'est souvent un très bon interlocuteur pour nous également, pour aider au mieux à la gestion de la maladie. J'ai connu des périodes d'arrêt plein temps, mais en revanche, j'ai toujours été, pendant toute la durée de la maladie, j'ai gardé mon travail. Alors, j'ai changé de travail. En fait, quand je suis tombée malade, j'avais un poste, je travaillais entre 50 et 60 heures par semaine, j'avais une équipe à manager, enfin, j'avais un poste qui était très prenant. En fait, assez vite, et c'était à l'époque pas aussi courant que ça ne l'est maintenant, mais assez vite, j'ai bénéficié du télétravail tout en étant à temps partiel. Et en fait, assez vite, grâce à mon médecin traitant, qui m'a dit il faudrait probablement faire un dossier auprès de la MDPH. Donc la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc quand l'annonce de la maladie est récente et qu'on vous parle handicap, ça ne fait pas rêver. Hein. Je me souviens encore de l'état dans lequel je me suis sentie. Je sortais de chez elle et je rentrais et il y a le mot handicap qui résonnait. Et en même temps, c'est probablement, même si sur le moment, ce n'était pas simple à accepter, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, en tout cas pour poursuivre professionnellement. Donc j'ai fait cette demande auprès de la MDPH. J'ai été d'ailleurs accompagnée parce que la constitution du dossier est un peu complexe. Il y a une partie qui est remplie par le médecin, puis il y a une partie qui est remplie par le patient. On vous dit quel est votre projet de vie. Alors quand vous voulez prendre une chape de plomb avec un diagnostic comme ça et qu'on vous dit quel est votre projet de vie, c'est un peu compliqué. Et donc, quelques 6 mois plus tard, 6 ou 8 mois plus tard, j'ai reçu un dossier comme quoi j'étais reconnue comme... j'avais la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ça, ça a comme avantage plusieurs. D'abord, il faut dire aux gens que c'est confidentiel. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait la démarche que l'employeur est informé. En revanche, ça donne du poids, notamment dans les échanges avec la médecine du travail, avec l'employeur, quand il s'agit d'aménager le poste de travail, parce que ça dit quand même une reconnaissance d'une maladie qui pèse. Et donc, ça a été aidant, notamment pour avoir des modalités de télétravail et de temps partiel qui étaient particulières et adaptées à mon état de santé. Par ailleurs, les employeurs ont une obligation, au-delà d'une certaine taille de structure, mais qui est petite, hein, ça doit être au-delà de 10 salariés, ils ont une obligation d'employer des salariés handicapés. Et s'ils ne le font pas, ils payent des pénalités. Et donc, le fait de se faire connaître comme travailleur handicapé, c'est aussi éviter à un employeur de payer des modalités. Et donc, ça peut être intéressant aussi pour l'employeur de pouvoir faire la démarche. La maladie myasthénie est une maladie qu'on appelle une maladie prise en charge à 100%, dont l'abréviation se dit ALD, allocation longue durée. C'est une déclaration qui va se faire par le biais de votre médecin traitant ou par le biais du neurologue et que vous verrez apparaître sur votre carte vitale. Ça veut dire que tous les médicaments qui seront prescrits pour cette maladie seront intégralement remboursés, que vous ayez ou pas une mutuelle associée. Ça, c'est la première démarche, elle est quasi automatique, elle est faite par votre médecin. Ensuite, c'est en fonction de vos besoins, si la maladie est très invalidante, elle va pouvoir permettre d'accéder à une reconnaissance de travailleur handicapé qu'on appelle la RQTH. Ça, c'est un autre process qui peut intéresser par exemple votre employeur. Les grosses entreprises ont un vrai avantage à faire une reconnaissance du handicap de leurs employés. Ça peut vous permettre d'être maintenu dans l'emploi. Ça peut vous permettre également d'obtenir des aides par votre médecine du travail pour l'aménagement de votre poste ou aussi l'aménagement du poste réellement physiquement de travail, la hauteur de la table, etc. Dans les autres possibilités, il y a, si le métier est difficile et compliqué,
Pôle emploi peut vous aider à la reconversion, bien entendu, et ce sont des services qu'il faut utiliser. Vous avez d'autres possibilités qui sont plutôt locales. Le conseil général peut permettre de développer des offres. Vous proposez les services d'un ergothérapeute. Vous proposez d'autres aides, d'ailleurs, qui peuvent être financières ou des aides à la reconversion professionnelle, etc. Les réseaux de soins ont été organisés grâce au ministère de la Santé pour que toute personne, et quel que soit son lieu de domicile, puisse accéder aux meilleurs soins possibles. Il y a des centres de référence maladies neuromusculaires, des centres de compétences qui sont organisés au sein d'un réseau qui s'appelle FINEMUS. Et cette coordination nationale permet à tous et toutes d'avoir une information juste, mais aussi les développements des maladies et surtout de mettre en pratique les recommandations nationales de bonnes pratiques dans les maladies. FINEMUS est également une plateforme d'accès à l'information pour l'ensemble des soignants. Jusqu'à la crise du Covid, il a été très difficile d'avoir un suivi au domicile, en tous les cas, d'en avoir droit à la reconnaissance. Grâce au Covid, les droits ont été ouverts par le ministre de la Santé. Et pendant cette crise, nous avons mis en place des téléconsultations. L'outil est très développé ici à Grenoble et le patient accède avec un code à la plateforme. Et donc, on fait des conférences au domicile en visio, ce qui évite pour nous de donner nos numéros de ligne personnelle et de passer par WhatsApp, ce qu'on est obligé de faire. Là, très clairement, ça se développe. C'est un vrai atout. Ça évite de venir au sein de l'hôpital quand il y a une phase d'épidémie ou d'infection, mais aussi quand on est trop fatigué ou parce que la plupart des personnes habitent loin et que Grenoble reste une ville un peu compliquée d'accès quand même en réseau autoroutier. Ça, c'est quelque chose qui va se développer très clairement pour nous, parce que ça amène une pratique beaucoup plus facile, beaucoup plus reposante aussi pour les personnes. Et puis, on peut faire une consultation aussi dans une pause au travail, et sans avoir à prendre des heures pour venir jusqu'ici.